campagne associative, événements, travaux, aménagements, inauguration, festivités, économie. Yann Courmont, responsable du service des sports de la communauté de communes du Pays Ribéracois. La semaine multisport, multi-active, se déroule en ce moment et se déroule depuis de nombreuses années. Dans les vacances de Pâques, la deuxième semaine. Le but, c'est de faire découvrir un maximum d'activités à un public assez large. Donc on a deux demi-journées qui sont consacrées aux plus petits. Donc ça, c'est les 3-5 ans. Et ensuite, deux journées complètes où les 6-15 ans peuvent là aussi découvrir un maximum d'activités, des activités sportives et aussi culturelles, qui sont animées par des bénévoles des associations du coin et des activités animées par les éducateurs du service des sports de la communauté de communes. Pour en lister quelques-unes, donc il va y avoir du VTT, de l'équitation, du handball, du hockey, du judo, des ateliers de récupération, des ateliers d'origami, de compte, de poterie, de course d'orientation. 170 inscrits sur les journées là, des 6-15 ans et il y en avait 70, donc le quota maximum pour les 3-5 ans. Et 4 diagonales.